Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter avec donc notre Soussou favori, mon Soussou, et donc pour vous présenter un petit all-nose, voilà, pour nous avons été voir s'il n'y avait pas l'arrivage 6X, il n'y avait rien. Donc du coup j'ai trouvé 2-3 bricoles, pas grand-chose, mais je voulais quand même vous partager ce que j'avais trouvé, voilà. J'ai trouvé ce lot de 2 pochettes pour 59 centimes. Il y avait aussi un mini carnet à 69 centimes qui n'était pas très loin. Mais au final, je ne l'ai pas pris parce qu'il était un peu abîmé. Et 69 centimes pour 4-5 pages, non. Voilà, du coup, je ne l'ai pas pris. Je vais enlever ça en même temps. Comme ça, je vais vous montrer. Moi, je les découvre en même temps que vous. Ils sont très jolis. C'est avec des flamants roses pour le coup. Voilà, 2 petites pochettes comme ça, assez épaisses. Donc je me dis que ça trouvera bien son utilité, quelque chose, quelque part. Voilà, donc vous en avez 2 pour 59 centimes. Donc ça valait vraiment le coup. En plus, c'est en lin ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est très très sympa. Voilà. Donc je me suis posé la question sur ces petites pochettes pour le lavage. Ils ne donnent aucune indication. Mais je pense qu'on peut, c'est 2 pochettes de 12-14. Après, est-ce qu'on peut les laver ou pas? À froid peut-être. Ou alors avec du savon à la main. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais le jeter. J'en ai plus besoin. En plus, ça fait du bruit. Donc voilà pour ces 2 jolies pochettes. J'espère que ma petite vidéo vous trouvera en forme. Et donc voilà, ici, la pluie s'est arrêtée. Nous avons très beau temps aujourd'hui. Donc ça fait du bien. Ensuite, on a trouvé des petits scratchs comme ça. Donc j'en ai pris 2. Il y a 2 pièces à l'intérieur pour 99 centimes. Voilà, donc c'est du scratch. Le scratch, on en a toujours besoin. Enfin, ça sert tout le temps pour plein de choses. Donc, voilà. Donc vous avez le côté, voilà, le côté comme ça. Le côté doux et le côté scratch. Et voilà, ça s'est scratché tout seul. J'ai pas eu besoin, voilà, de le faire. Donc en noir, voilà. Donc ça sert à de multiples projets. C'est vraiment sympa. Je suis désolée pour le scratch pour vos petites oreilles. Mais voilà, du coup, je vais les remettre dedans. Ça évitera qu'ils se fassent des bêtises. Voilà. On va les remettre dedans. Voilà, pour éviter que ça se s'abîme. Voilà pour ça. Et j'ai trouvé des petites pochettes comme ça. On a trouvé des petites pochettes comme ça à 69 centimes pour ce coloris-là. Et allez-vous comprendre pourquoi à 1,50 € cela? Alors peut-être qu'il n'y a pas le même nombre de pochettes dedans. J'en sais strictement rien. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai pas pensé à poser la question. Voilà. Est-ce qu'il y en a un plus épais que l'autre peut-être? J'ai même pas l'impression. J'ai l'impression que c'est la même chose. Peut-être que le bleu est plus épais. Enfin, le vert, je crois. Donc, du coup, on va regarder. Alors, j'ai ouvert le vert. Donc, celui-là, il fait 1,50 €. Il y en avait l'année dernière, je ne l'ai jamais trouvé. Et j'étais contente de tomber dessus cette année. Parce que du coup, j'adore ce genre de rangement. Je me dis que pour ranger des découpes, des petits stickers, des tas de trucs comme ça, ben, ça peut être vachement bien. Et du coup, c'est pas mal. Dedans, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, 12 compartiments. 12 compartiments vous avez sur celle-ci. Voilà, donc elles sont larges comme ça. Franchement, elles sont sympas. Hein. Elles sont sympas. Et pour vous donner la mesure, ça fait 27 cm sur. Je vais vous dire ça tout de suite. 27 sur 13 cm. Voilà. 27, même 27-14. 27-14 cm. Ouais, 13,5. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même, c'est pas cher hein, pour ce que c'est. Et donc c'est en plastique, c'est solide et franchement c'est sympa, enfin, moi j'aime bien. Et du coup ben, je regrette pas de les avoir trouvés. Alors bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le choix, mais on avait l'embarras du choix.
Donc, du coup, il y avait quand même deux couleurs. Donc, voilà, ça, c'est les étiquettes qui vont dedans pour les petits onglets. Voilà. Donc, du coup, on fera ça. Et donc, je vais ouvrir l'autre modèle. Je crois que c'est dans les tons marronnés, je crois qu'il m'a dit. Et celle-ci, pourquoi elle fait 69 centimes? On va compter le nombre de compartiments. C'est peut-être ça, la différence. Oui, c'est ça. Elle a l'air beaucoup plus petite. Donc, du coup, eh ben, voilà. Du coup, celle-ci, il y en a moins. Il y en a peut-être 6 dedans. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments. Voilà pourquoi le prix est inférieur. Donc, 2 fois moins cher. Et c'est pour ça. Il est donc plus petit. Donc, voilà. Celui-là, il est de la même épaisseur. Mais en même temps, ben, il est plus large. Donc, ce n'est pas tout à fait la même valisette. Donc, faites attention si vous les trouvez. Voilà, la bleue est 2 fois plus contenante que la marron. Parce qu'en taille, elles font exactement la même chose. Elles font, celle-ci fait 26. Et celle-ci, pareil. Donc, 26, c'est ça? 26, ben, c'est du coup sur 13, un truc comme ça, il me semble. 14, je vous ai dit même. Voilà, 13,5. Ouais, c'est 13,5. 26, 13,5. Voilà pour ces pochettes. Moi, je suis très contente parce que je range beaucoup. Et du coup, ça va m'aider à vachement bien organiser. Je suis bien contente. Et je voulais vous montrer autre chose. Dans le précédent haul, je n'ai pas pensé à vous le montrer. Donc, ce sont des petits... Donc, c'est au rayon maquillage, maquillage beauté. Et donc, pour 6,99€, il me semble, 6,99€, eh bien, donc, c'est sur un plateau tournant. Donc, je vais vous baisser un tout petit peu comme ça. Et puis, donc, c'est un organiseur. Vous avez ici une poche, un trou profond. Voilà, pour y mettre vos ustensiles, vos crayons, tout ça. Là, ici, vous avez un autre pot plus... Moi, je vais mettre des stickers parce qu'il est tellement noir qu'on ne le voit pas. Et donc, vous avez un étage ici avec des gobelets. Ensuite, vous avez une autre plateforme un peu plus plate ici où on peut mettre des choses un peu plus plates. Voilà. Et ici en dessous, donc là, vous avez la profondeur du gobelet. Et là, en dessous, vous avez encore un étage où vous pouvez placer d'autres choses. Je le trouve super bien, franchement. Et je ne regrette pas qu'on l'ait pris. Du coup, on s'en est pris un chacun. Et puis, donc voilà, du coup, c'est ça la marque, apparemment. Voilà, donc du coup, vous avez peut-être des détails là-dessus que je ne vois pas forcément très, très bien. Voilà, je vous montre. Comme ça, vous le voyez. Vous voyez, donc ça tourne comme ça. C'est vraiment sympa. Et voilà, pour mettre sur le bureau, je vais vous donner le diamètre. Je vais vous donner le diamètre. Voilà, je vais juste pousser un petit peu ça. Alors, ça nous fait un diamètre de 20 cm. 20 cm sur une hauteur de 20 cm. Voilà, c'est 20 sur 20. Donc, dans un carré, vous mettez un rond. Un cercle, et voilà comment ça se présente comme ça dessus, voyez. Donc c'est assez sympa. Alors bon, c'est que de couleur noire, mais voilà, après ça ne me dérange pas. Voilà pour ce produit. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous montrer de chez Nose. L'occasion pour moi de vous saluer, de vous faire un petit coucou. En ce moment, je fais pas mal de petites créations que je vous montrerai dans un temps ultérieur, mais je suis très contente, j'avance bien. Et maintenant, mes doigts sont fonctionnels, puisque ben, ici, j'avais un doigt avec une belle coupure sous l'ongle, justement, dû à ce petit carton que j'ai enlevé sur mon organiseur. Pour, en défaisant le carton, je me suis coupée. Voilà. Donc, du coup, ça faisait mal. Et puis, après, ben, je me suis coupée ici avec une matrice de déco. Donc, j'étais bien pendant 2 jours sans pouvoir trop bien scraper. J'ai fait autre chose, hein, voilà, mais après, voilà. Du coup, c'est des petits bobos, mais qui nous enquiquinent l'existence. Voilà, sans compter le reste, hein, mais bon, voilà, après, je me plains pas, mais voilà. Donc, vous voyez ma petite robe derrière, là, qui est en train de sécher, de finir de sécher. Voilà, donc, je vais l'enlever, hein, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai pour nous aujourd'hui. Donc, ben, j'aurais aimé trouver...
Le petit arrivage dans 6X, j'ai vu sur certaines vidéos à Noz qui avait quelques dies d'Halloween. Ça m'aurait bien plu d'en trouver. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Et si c'est pas là, ce sera ailleurs. Voilà, je ne m'en fais pas. Je vous fais plein, plein, plein de zombie scrap. Je vous souhaite un beau week-end. J'espère que vous vous portez bien. Et puis que, bah écoutez, continuez à faire le concours. Il est toujours actif, hein, je vous redis. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo concours dans ma playlist qui vous donne les indications jusqu'à la fin du mois. Mais aussi, la fin du mois, c'est presque demain. Mais vous avez encore un peu de temps puisque je vais probablement prolonger un tout petit peu. Donc, les retardataires, ceux qui ont encore des créations pour la page de Junk, pour le concours des 1100 abonnés. Donc, n'hésitez pas à participer si vous avez le temps d'ici là de faire la petite création et puis de m'envoyer tout ça Fissa rapidement. Et puis, donc, n'hésitez pas à venir participer pour voir le projet. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et puis à commenter, liker, etc., etc. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.